Hey, 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 cucu mes petits culs et bienvenue pour ce nouvel épisode de Housekeeper. Non, vous ne rêvez pas les enfants. Ce que vous avez devant vous, c'est bien ma maison et ma maison avec un poil de déco de jardin. Alors, je tiens à vous dire une chose, ce qui a été fait ici dans le jardin, regardez, j'ai mis des nouvelles plaques, tout ça, j'ai mis du gravier ici. Ah bah ça j'ai oublié. Attendez, on va la vendre. Tac! Ça a été fait en live sur Twitch. Donc, vous avez prévenu que j'essaierais de faire live sur Twitch, sur Housekeeper, et ça a fonctionné. Donc, j'étais ravie. Et puis, en fait, donc voilà, j'ai envie de dire que je continuerai de faire le jardin de ma maison en live avec vous, si ça vous intéresse. Le souci, c'est que ce sera sur Twitch. Mais, en même temps, prochainement... La semaine prochaine, peut-être que j'aurai The Fibre dans ma maison, puisque j'ai changé d'opérateur et j'ai pris rendez-vous tout à l'heure. Il passera normalement le jeudi 28, 27, 27, je sais plus. C'est le jeudi 27 qui devrait installer la fibre chez moi. Donc, si ça fonctionne et si la fibre est bien à la maison, je vous montre du coup ce que j'ai fait, hein. Eh bien, ce sera donc sur YouTube. Mais au cas où, vous pouvez me retrouver sur Twitch. C'est dans la description, il y a le lien Twitch. Et vous m'ajoutez sur les réseaux sociaux, tels que Twitter et Instagram. Et je vous tiens au courant des lives via sur les réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à m'ajouter aussi. Donc voilà ce que j'ai fait. Nous avons un petit souci ici parce que les plaques là elles sont pas assez, ça marche pas, tout ça. Bon, bref, ça c'est sur les soucis. J'ai fait une petite terrasse ici, le petit barbecue, le petit hamac. J'ai mis une plante ici que normalement on doit planter, hein, mais comme j'aime bien que ce soit pas planté, je la laisse comme ça. Vous aviez vu le truc cinéma dehors et j'ai installé ça ici, la petite tonnelle avec le truc. Voilà, pour l'instant j'ai fait que ça, sachant que j'ai mis une bonne heure à faire cette terrasse derrière. Donc, voilà. Hein, mais je vais continuer à mettre des fleurs et compagnie. Et j'espère que ce sera en live et avec vous. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux. Et puis, à guetter les lives. Surtout si la fibre est là, mes amis. J'aurais pu la voir là dans quelques jours. Mais j'ai préféré prendre pour la semaine prochaine. Je suis plus à une semaine près, j'ai envie de dire. Donc, voilà. Normalement, la fibre devrait arriver. Et c'est le bonheur. Donc, on va prendre une nouvelle mission pour le Garden Flipper. Vous savez, c'est toutes les semaines comme ça. Ça fait un bout de temps que j'ai pas joué, à part le live. Mais ça m'a bien remis comme ça un peu les doigts et tout ça. Je me souviens à peu près pour comment jouer. Donc, c'est parti. Alors, tu dois couper les arbres de Katharina S. Anastasia Luxemburg, elle dit « La pelouse tondue par mon mari. » Je suis oui. Thomas, machin. Cinéma en plein air. Et Jade Wiga. Je suis d'accord. Des intrus dans le jardin. Je vais commencer par couper les arbres et on verra si la mission est assez longue pour un épisode ou s'il faut deux missions. Voilà, bref. Bonjour, j'ai une parcelle d'arbres. Mon grand-père les a plantés. Ils ont grandi et grandi jusqu'à ce qu'ils grandissent de sorte, oui, c'est logique du coup, qu'il n'y ait pas de soleil sur la parcelle. Les plantes sous leurs pieds ne peuvent pas grandir et je rêve d'un jardin de fleurs et d'un bain de soleil sur la terrasse. J'ai besoin de couper deux de ces arbres. Puis-je compter sur l'aide ? Sur l'aide. Et je rêve encore d'un si petit étang à côté de la terrasse. Il suffit de se débarrasser des arbres et d'installer un petit étang. Je m'occuperai des fleurs tout seul. Toute seule plutôt, parce que Katharina. Qu'est-ce que j'ai dit, Katharina? Je sais plus. Bref, on va aller voir ça. Oh, c'est mignon. Nous voilà. Ah, il faut débloquer. C'est cool. Félicitations, vous avez débloqué un nouvel outil. Afin d'éliminer les grands arbres, il faut les couper. Vous aurez certainement besoin d'une hache. N'oubliez pas, pour des raisons de sécurité, l'arbre doit être coupé le plus bas possible. My God, je sens que ça, je vais faire des carnages. Alors, comment on va? Oh, c'est mignon, regardez. Et ça rend bien quand c'est eux qui le font. Hein. Moi, j'ai pas l'impression que je vais faire quelque chose de bien. Ok, alors, nous devons aller où? Est-ce que la maison est ouverte? Hein? Vous savez à quel point je suis une curieuse et que j'ai besoin... Oh, il y a des bancs comme ça, mais je les ai pas vus, moi. C'est vrai que c'est super cute, hein. On peut faire quand même beaucoup de choses. Hein. Ici, il n'y a rien à faire. Alors, je pense qu'il faut aller à l'arrière. On peut ouvrir. Non, on peut pas ouvrir. Ouh, j'ai moignon tout plein. Bon, ça va, c'est pas non plus blindé d'arbres, quoi. Alors, nous sommes sur la première parcelle. Coupez l'arbre et enterrez et remplissez étant formé
longitudinale. Donc il faut couper l'arbre. Oh, pauvre de moi. Nous allons couper. D'accord. Mais ça fait pas de bruit? Ah si, j'étais trop loin. Est-ce qu'il faut faire comme les... Comme les bûcherons, vous savez, ils font des petits, des espèces de petits, tout petits cônes là sur l'arbre et puis ils tombent tout seuls, le truc. Je sais pas. Shirley Enterprise innove dans la bûcheronnerie. Bah, mais c'est bon, regardez, ça s'est bien coupé, non? On peut rien faire avec la souche? Ah si, j'avais peur. Oh, ah oui, quand même, j'ai adoré l'arbre qui tombe sur la baraque et qui disparaît dans le sol, c'était magique. Alors, on va couper encore plus bas parce que je me suis fait engueuler, hein. Bon, de toute façon, ça a très bien marché, je vois pas pourquoi. Alors, on va essayer de pas faire tomber sur la maison. Attendez, j'essaie de faire ça bien, moi. Comme les vrais bûcherons, hein, quand même. C'est trop cool, je savais pas, en fait, parce que dans mon propre jardin, là, de ma maison, du jeu, bien sûr, pas dans la vraie vie, hein, j'en ai pas. Eh bien, en gros, je pensais pas qu'on pouvait se débarrasser des arbres. Je pensais qu'on les avait et on les gardait, quoi. Donc c'est bien, c'est une jolie surprise, quand même. Allez. Ah, regardez, je vais avoir réussi à faire le... S'il me tombe dessus, mon monsieur, il meurt. Voilà, quand même, il devrait plus tenir, hein? Ah, c'est magique! Ah, c'est magique! Voilà, il est... l'arbre, il a tombé dans le néant. Alors, couper l'arbre 1 sur 2. Mais... J'ai coupé les deux. Mais il fallait pas le faire. Ah si, c'est juste lui qui il a bugué. Oh, j'ai eu peur! Alors, enterrer, remplissez étang. Je savais même pas qu'il y avait des étangs, vous savez, j'ai vraiment pas beaucoup vu. Non, je vais le mettre là. J'ai pas vraiment regardé tout entièrement sur le truc de jardin là. Ah ouais? Ah ouais. Oh bah je vais le prendre en bleu. Par contre, il donne pas envie comme ça. Hein. On dirait un vieux moule à cake qui est tout défoncé. D'accord. Bah écoutez, c'est un peu grand. Je voulais le mettre. Ouf, attendez, je réfléchis. Je réfléchis les filles. Là. Insérer un étang. Oh mon Dieu! On va devoir creuser. Et deux. Et trois. Ah bah ça. Oh pardon, excusez-moi, j'ai bloqué. Mettre de la terre autour. Et faut arroser. C'est trop cool! Et on peut plonger dedans. Pouf! Ah, l'eau, elle est magique d'un sweeper. Hein. L'eau, c'est l'eau qui fait nager. Qui fait nager. Qui fait. Attendez. J'avais cru voir une main. Ah, bah non. J'ai déliré. Attendez, on va faire quoi? Verser l'eau. Non! Mais non, qu'est-ce que je fais? C'est ça. Je fais du grand n'importe quoi. En fait, on peut le nettoyer, c'est ça? C'est sympa. Le fameux jet d'eau, hein, vous savez à quel point je l'aime. Ok! Toutes les tâches sont terminées! Ah, bah c'était minuscule comme truc, mais au moins c'est bien, j'ai découvert. Bah on a découvert des choses, quoi. Allez, on rend le chantier, hein, on a gagné 350 euros. Bon,
C'est pas grand chose. Pour une, je sais pas, pour même pas 10 minutes de taf, on va dire qu'on est super bien payé à l'heure, hein, là, parce que. Ouh De Bonjour, retour dans hein. ma fabuleuse petite maison, regardez comme c'est mignon ça. Regardez. Du coup, on voit sans voir et tout. J'aime trop. Bref, on va continuer. Prochaine mission. Alors, bah, du coup, on va faire à la pelouse tondue par mon mari, hein, en tout cas faire. J'ai demandé à mon mari de tondre la pelouse. Pour la première fois depuis le jour du mariage, il a fait ce qu'il devait faire. Malheureusement, mes plates-bandes ont été anéanties. Et moi, je vis dans mon jardin. J'ai besoin d'un endroit ombragé pour dormir et d'un endroit ensoleillé pour lire. J'ai toujours aimé la symétrie et tout était symétrique dans mon jardin. Malheureusement, après les exploits de mon mari, le chaos s'y est installé. Je serai très reconnaissante pour votre aide. Allez. Madame Symétrie, il a été. Bon, moi aussi, je dis rien, mais la débroussailleuse, elle a défoncé quelques fleurs. Hein. Vous vous souvenez sur une mission? Ce jeu fait de la merde. Je pensais pas qu'on puisse les enlever comme ça. C'est trop mignon, ces arbres-là. Ah oui! Ah oui, regardez. Tac, 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 tac. Ah ouais. Eh oui, et là, il en manque. Donc, alors, c'est pas un schéma. Les petites fleurs blanches, elles sont comme ça autour, en espèce de carré. Ça, elles sont quatre, comme ça. Et là, on a un, deux et trois. Ok. Ok, donc, je ne sais pas c'est lesquelles. Attendez, je vais avancer, sinon je vais pas avoir... Géranium sanguin. Oh là là. Bon. Chrysanthémum. Chrysanthémum. Cri. Ça, voilà. Ah bah c'est les fameuses jaunes. C'est celle-là. Alors, parce que madame, elle est psychorigide, elle aime bien la symétrie. Remarquez, moi aussi, hein. Hop. Hop, ça c'est déjà fait, madame. Elle en veut trois aussi de ce côté-là. Un, deux et trois. Et elle en veut trois au milieu. J'espère que je serai bien au milieu. Un, deux et trois. Voilà, vous voyez, on est complètement dans la complétitude. On est très bien. Bon, ah, je suis bloquée. Alors, géranium sanguin gazania. On va faire le truc du centre, ça doit être le géranium sanguin. Là. Ça va être compliqué à trouver. Alors, d'accord, géranium sanguin. Ah non, c'est des petits machins comme ça, mais c'est quelle couleur qu'elle a pris? C'était les. Non, c'était pas cette couleur-là. Non plus. Bah oui, mais si madame, elle est. Ah, c'était celle-là. Et donc, c'est 4. Ouais, c'est 4. Ouais, voir, c'est 1. Oh là là. 2. 3. 4. Il en faut encore 5? Mais où? Et ils n'ont pas compté de l'autre côté ici? Oh bah écoutez, moi je sais pas. 1. 2. 3. 4. En tout cas, j'ai de la place pour 4. Et il m'en manque 1. Bah, je vais le mettre là, mais bon. Madame, elle va... Non, mais je vais le finir le truc, tant pis, hein. Parce que j'ai pas envie qu'elle soit frustrée avec sa symétrie, hein. Je connais les dérives de la symétritude. Je suis très concentrée. Voilà, j'en ai mis plus. Ça devrait aller. Et la gazania, ça va être les trucs du milieu, ça. Je sais même pas si c'est les vrais noms des plantes. Ah oui, c'est ça. C'est mignon quand même. Oh, j'aime bien, moi. Et là, il en faut 8. C'était comment? C'était... Ouais, autour comme ça, ok. Déjà, il y en a qui sont mal plantés, hein. 2, 3. 1. 2. 3. Excusez-moi, j'ai du mal à bouger. Je l'ai un peu mal mise, je crois. Hop.
La concentration. Alors là, il y en a une. Je vais la mettre là. Tant pis si j'en rajoute, hein, je vous le dis direct. Hein. Mais je peux la mettre, ma plante? Il veut pas. Peut-être pour ça qu'il veut pas que je la mette. C'est bon, là, du coup, j'ai tout... Ouais. Ok, bon. Ici, c'est fait. On va chercher... l'anon. On va visiter. Oh, mon monsieur, il court vite. La vache. Ah, enlever l'objet. Ah ouais, il y avait beaucoup de choses. Oh, et là, il a défoncé. Je pense, je suis sûre qu'il va falloir remettre de l'herbe ici. Je visite, hein. Elle est bizarre, cette maison, non? Je suis sûre qu'il n'y a rien dedans. D'habitude. Je suis sourd. Alors, ici, donc. Disposer dalles de béton. Enlever 4 dalles de béton 100x25. C'est ça? Oui. Attendez. Et celles-là, il ne faut pas les enlever? Ah non, ça se mettait en rouge. Ah, c'est intelligent, regardez. Il va me dire, ah, ne joue pas au simulateur de cambriolage. Ben, j'en ai un autre de simulateur de cambriolage. Hein. Je joue à Croux déjà, qui est exactement ce genre de jeu. Disposer dalles de béton 100 x 100, ça doit être ça. Hein. Ou ça, je sais pas. Alors, que je regarde bien, dalles de béton 100 x 100. Surface, dalles. Béton. Ouais. Dalle. Ah, ça. Ok, oh, moi je les prends comme ça. Ah oui, bah c'est pas beau. Hein. Oh, par 12. Vous êtes sûr? C'est pas joli. Hein. Je sais pas où il faut les mettre, mais... Hop. En fait, il y a les bords. Vous savez, il y a les bords là sur les trucs. Mais comme ils ont quand même... ils ont eu de la jugeote pour le coup. Et on peut les superposer pour pas que ça déborde et que ça fasse moche, en fait, les rebords. Donc, c'est intelligent. Vraiment. J'avais peur de ça. Et je crois que pour faire mon propre jardin, je voulais pas utiliser parce que ça faisait pas beau. Mais finalement, ça passe. J'en ai 8. Il m'en faut encore 4. Votre avis, je les mets où? Là, avec le barbecue, ça me paraît logique. Mince, faudrait que je la bouge. Oh non, hein, ça suffit. Hein, tu commences déjà à faire du caca. Voilà. Hop. Puis là, bien sûr, par contre, ce qu'ils n'ont pas fait, c'est qu'il y a des trous. Hein, et il m'en manque une. Non, attendez. Ben non, il veut pas... Ah, je les ai mises. Je suis nanar. C'est pas le bon, regardez, c'est plus le bon périmètre. Oh là là. Ben oui, mais vous savez, on apprend toujours, hein, c'est ça qui est bien. C'est qu'on apprend l'air de rien, toujours des choses, oui, oui, oui. Voilà, c'est pas joli, mais madame, elle avait demandé ça. Canapé tinto, pouf tinto, et table tinto. Mais je les mets où, moi? C'était peut-être là qu'il fallait les mettre. Oh bah écoutez, prout, hein, j'ai envie de dire. Zut, flûte, hein, mince. Hein. Alors, canapé tinto. Tinto. Je vais marquer tinto. Canapé tinto. Ah bah ça va, c'est du luxe. Oh bah j'aime bien comme ça, moi il est joli. Mais je voulais que je le mette où? Je vais le mettre dans l'herbe. Hein. Ça va être mignon. Voilà, si je suis... J'arrive pas à me diriger déjà parce que en fait je me suis gourée. Je voulais utiliser voilà. Pouf tinto et tape tinto. Ouais, je vais le mettre dans l'herbe, ça va être super cute. Le pouf tinto. Je vais le remettre, hein. Pouf tinto. Oh bah nickel. Ces deux, j'en achète donc deux. Je vais le mettre là. Et je vais le mettre là. C'est trop mignon. Et puis en plus, je suis sûre qu'en intérieur, ça le fait aussi, ça. Et la table tinto. Non,
C'est pas la table Tinto, c'est quoi? Si, c'est la table Tinto. Alors, qu'est-ce que vous me dites? Meuble? Elle est là, la meuble, la Tinto. Elle est plus petite que les poufs, on est d'accord ou quoi? C'est n'importe quoi. Bon, c'est pas hyper symétrique. Ah, madame, nous allons mettre les canapés symétriquement. Ah, voilà, ça c'est bien. Progrès, ok. Et encore quelque chose à faire quelque part. On va bien trouver. Ici, non? Ici. Placer l'objet hamac mélode. Nickel. Oh, elles sont cool les missions. Hamac mélode. Ah, c'est celui que j'ai mis sur ma terrasse. Bon, voilà, j'étais nickel comme ça. Moi, j'aime bien. Regardez. On va mettre ça sous l'arbre, là, comme ça. Oh, quel pied, les enfants! Qui c'est qui aurait pas envie d'aller dans le hamac, là, regardez? Avec les petits oiseaux qui chantent et tout. Oh non. Avec la petite table ici à côté pour poser son petit jus d'orange. Avec glaçon. Il y a encore des trucs à faire, apparemment. Parce que j'ai pas... Mon progrès, il est pas au top. Qu'est-ce que j'ai oublié? Qu'est-ce que j'ai pas fait? J'ai fait du caca? Mais... Ah, ah oui, attendez, peut-être que c'est là. Oh, punaise, mais... Il faut le savoir que c'est ici, les gens, quand même, c'est compliqué. Enlever l'objet pergola pète. Enlever les dalles de béton sans sang. Enlever l'objet... Ah, ça doit être ça. 3 pavés, ouais. En fait, faut que j'enlève tout, je pense. Donc ça aussi, j'imagine. Ok. Ok, très bien. Et on n'élève pas le barbecue. Non, ça, on le garde. Il faut planter 2 arbustes de conifères à forme largement conique. Rien que ça. Arbustes de conifères, forme largement conique. Plante. Arbustes de conifères de forme largement conique, c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça qu'elle me demande. Demande. Oh, mais il est gigantesque. Voulez-vous que je le mette? Il en faut 2 en plus, on sent. Non mais... C'est pas ça. Mais je le mets où, Jean-Marc? Mais madame! Je le mets où, ton truc? Je vais lui bouger son barbecue parce que j'ai plus de place, moi. Je vais le mettre là. Ah ouais, sinon, bonsoir, quoi. Vous avez vu le bazar, vous? Alors, si c'est pas ça, je me tue, hein. Encore un trou? Encore un trou. Ah, c'est ouvert. Eh oui, le jet d'eau, c'est l'été, les enfants. Hihi, ah, ah, ah. Allez, ça vous avait manqué? En tout cas, moi, oui, puisque je vous rappelle, hein, j'étais en vacances. Là, c'est le premier épisode que je retourne, du coup, depuis mon retour. Donc oui, ça fait quand même un petit bout de temps. À part le petit live dont je vous ai parlé au début d'épisode que j'avais pas joué et que j'avais fait la con avec le jet d'eau. Donc ouais, ça m'avait manqué. Ah, voilà. Puis maintenant, c'est l'été quasiment. Wouh, yeah. Regardez, ça faisait des super jolis. Si je fais comme ça, vous avez vu, ça fait des... Ça fait beau. Waouh. Les voisins, ils vont dire, mais qu'est-ce qu'elle me fout, celle-là? La 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 la. Vous connaissez le light painting? Bah, moi, c'est du water painting dans l'air. Le truc qui retombe après. C'est n'importe quoi. Allez, hein, on nettoie la table, les chaises, on me donne un petit goût de... Ah, voilà, comme ça, tout est propre. Salut, les voisins. Il se passe quoi à côté? Ah, oh, c'est mignon. Bon, ben... non, les tâches sont pas toutes faites.
Excusez-moi, faut que je rentre là. Bah, je peux pas. Est-ce qu'il faut... Il faut deviner où il y a des trucs à faire. Je vais me retrouver coincée, je le sens bien, t'sais. Ici, non? Peut-être ici? Il y a moyen. Bah non. Bah... Ici? Dès que je vois un trou, je me dis c'est le mari, hein. Je sais pas. Moi, j'ai fait les tâches, hein. Chambre 3 mètres carrés. Et un petit souci, quand même. Ah non. Je ne vois pas. Je suis pas à 100%. Je comprends pas ce que j'ai pas bien fait. Et... J'aurai pas la prime pour le retour à l'emploi. Bon, bah écoutez. Pour moi, la mission est bonne quand même, hein. 92% du chantier. Bah oui, mais je vois pas ce que je peux faire d'autre. Donc on va dire oui, on a gagné 4 519 €. Et ça, c'est plutôt bonheur. Et voilà mes petits amours, mes petits culs, mes petits enfants. Je vais vous laisser là pour cet épisode. C'était quand même un peu sympa. On a avancé, on a vu d'autres choses, hein. Et puis comme ça, l'épisode n'est pas trop long. Ce que j'aime pas quand ça dépasse une demi-heure au niveau, franchement, super. Après, c'est très vite chiant. Ça peut le faire quand c'est en live, mais après, c'est chiant. Sachant que la dernière mission de la décharge était longue et tout ça, et je pouvais pas la couper. Donc voilà. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. Donc n'hésitez pas à venir me rejoindre sur les réseaux sociaux si vous voulez savoir la prochaine fois que je ferai un live pour mon petit jardin de House Flipper. Et puis même les lives en général, si vous voulez voir me voir jouer ou chanter aussi, ça se passera sur Twitch. Et moi, je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt pour la suite d'un super ou d'autres choses sur ma chaîne. Très gros bisous. Salut!